Allons ici, on vous parle d'un astéroïde. Là, à l'instant, il n'y a pas longtemps, Dieu Isis, elle m'a guidée à l'esprit pour trouver sur ça. J'ai réussi à trouver. L'astéroïde qui vous parle là est un signe qui est très très fatal. Le signe très très fatal de Dieu. Donc, sur le jugement fatal de Dieu Isis du monde Horus. Pourquoi? Déjà là, regardez, ils disent un astéroïde avec un masque de protection. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est eux, les reptiliens, qui créent le mensonge. C'est pour ça que j'ai bien dit à vous, ceux de la lumière, de faire très attention sur les images qu'ils montrent avec leur ordinateur. Parce que la NASA, c'est Marduk qui contrôle la NASA. Et de tout ce qu'on voit avec informatique 666. Souvenez-vous que j'ai montré la preuve sur ça dans mes vidéos. Que quand ils montrent, ils disent la planète Jupiter. Ce qu'on voit est faux. C'est des images, c'est des fausses images qu'ils montrent, les reptiliens. Comme la planète Vénus. La planète Vénus. Ce n'est pas vrai ce qu'on voit. Ce n'est pas la planète Vénus. Et que j'ai montré la vérité absolue que Marduk, il a caché sur la fin de Pluton. Souvenez-vous de ça. J'ai montré où Dieu Isis a brisé la planète Pluton des reptiliens. J'ai montré la preuve sur ça. Donc en feu. Tout ce qu'ils vous ont montré là, que quand ils vous ont parlé en disant planète Mars, il y a des tempêtes, il y a ça, il y a ça. Ils cachent que c'est la fin de Pluton, que le monde Horus a brisé. La planète Pluton des bêtes reptiles, des titans, parce que le nom titan est lié à Marduk, aux Anunnaki. Mais il faut comprendre, souvenez-vous que j'ai montré la preuve absolue, existe la planète Martak. La planète Martak, liée avec le monde Horus, avec Dieu Isis. Et n'existe pas la planète Mars. Ça, c'est eux qui ont créé le mensonge, les reptiliens. Il n'y a pas de planète Mars de tout ce que raconte Marduk. Existe la bête Mars, liée avec la bête Daguerre. Mais ce n'est pas une planète. Ce qui existe avec eux, c'est la planète Pluton. C'est Pluton. Et que j'ai montré aussi Titan, souvenez-vous. Donc, allons ici. J'ai réussi à trouver sur ça. La NASA montre des fausses images. Ça arrive qu'ils montrent, on voit souvent sur ça les fausses images. On a vu que c'est pas la planète Jupiter qu'on voit. Ce qu'on voit est faux. C'est pas la planète Jupiter. C'est eux qui montrent, c'est eux qui créent les images démons. Donc, alors, le 23 avril 2020, c'est pour ça que vous, ceux de Dieu, j'ai bien dit de faire attention à ça, que quand on va sur Internet, que quand ils envoient des vidéos, la NASA, de tout ce qu'ils montrent, il faut faire très attention. Très attention à ce qu'ils montrent. L'astéroïde de Dieu va dire la fin. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait un signe de Dieu. Surtout sur la fin. Sur la fin fatale. Le 23 avril 2020, l'astéroïde de Dieu va dire la fin et qui donne 2016.